Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis contente de pouvoir filmer. Ça fait vraiment un petit moment que je n'ai pas pu filmer. J'avais oublié ma caméra à Toulouse et du coup je suis revenue et je peux enfin filmer. Donc aujourd'hui on va parler de soins beauté encore. J'adore faire ces tests, je l'ai déjà dit. Et voilà quoi, là j'ai envie de tester Fenty Skin comme vous avez pu le voir dans le titre. Ça fait un petit moment que j'ai envie de tester. J'aime beaucoup les produits de Rihanna de sa marque de make-up. Et du coup je me suis dit il fallait que je teste ces produits cosmétiques, soins visage. D'ailleurs je sais pas si vous avez vu, elle va bientôt sortir un parfum aussi. Franchement Rihanna elle est partout, elle est sauf dans la musique en ce moment. Franchement, elle est partout. Tout le monde l'attend au tournant pour un nouvel album. Mais non, elle sort que des produits cosmétiques, produits parfumés, produits... Voilà, sauf la musique. Et aussi de la mode, parce que c'est vrai qu'elle fait aussi de la mode, il faut pas l'oublier ça. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite toujours, comme d'habitude, à aller me suivre sur mes réseaux sociaux. Donc vous avez TikTok, j'aime beaucoup TikTok en ce moment. Vous avez aussi Instagram, où j'essaye d'être un petit peu plus active en mettant des reels. Et vous avez aussi Twitter, où je suis vraiment pas du tout active. Et si vous ne me connaissez pas, j'aime beaucoup la mode, les produits maquillage, les soins beauté, les petites choses lifestyle, etc. J'aime beaucoup. Donc voilà, et si vous avez envie du coup de vous abonner à ma chaîne, ben je vous invite à vous abonner. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté le kit découverte à Sephora. Je sais pas si vous le connaissez, c'est ce kit là. Donc vous avez pas tous les produits de la marque Fenty Skin de Rihanna. Là vous avez donc du coup quand même les primordiaux, j'ai envie de dire. Vous avez le Total Cleanse Air. Ouais, c'est ça, je crois qu'il se dit comme ça. Donc c'est le nettoyant visage. Vous avez aussi le Fat Water, qui est tout simplement un sérum tonifiant. Et vous avez le Hydravisor, qui est la crème hydratante de jour. J'ai pris ce kit parce que je n'avais pas envie de prendre les produits en full size, parce que je me suis dit, si je ne les aime pas, je vais dépenser beaucoup d'argent. Voilà, quand même, parce que c'est pas... on va dire, si tu prends la routine entière, t'en as quand même pour ton argent. Donc je me suis dit, vaut mieux prendre ce petit kit découverte que je trouve vraiment sympa. Alors il coûte 36€. Alors dedans, vous n'avez pas le produit pour les yeux, donc vous savez le contour des yeux, et vous n'avez pas non plus la crème de nuit, si je dis pas de bêtises. J'ai voulu obtenir en petit échantillon la crème pour les yeux. La vendeuse voulait bien me le faire, mais malheureusement en fait elle n'avait pas les produits, vous savez, en échantillon, les produits plutôt en présentation dans le stand de Fenty Skin. Donc du coup elle n'a pas pu me faire le petit échantillon. C'est dommage, j'aurais bien aimé tester la crème contour des yeux. C'est pas grave, la crème contour de nuit apparemment elle est très très bien. Ça aussi c'est à tester, mais là du coup je me suis plutôt concentrée sur une routine skincare de jour. Donc si vous connaissez pas la marque de Rihanna Fenty Skin, c'est une marque qui est quand même vegan et cruelty free. Ah non, je sais pas si c'est cruelty free la marque, je crois que j'ai dit une bêtise. Je sais qu'elle est vegan, mais cruelty free je suis pas certaine qu'elle est cruelty free. Il me semblait que oui pourtant, mais j'arrive pas à retrouver ça sur, sur le site ni sur les packaging. Mais je pensais qu'elle était vraiment cruelty free. En tout cas elle est vegan, ça c'est sûr. Si j'arrive à trouver ça sur... après la vidéo quoi, je vous mettrai une petite insertion etc pour vous dire oui elle était cruelty free ou non. En tout cas je sais qu'elle est aussi engagée niveau environnement, parce que ses packaging sont faits en matière recyclable je crois. Mais en tout cas je sais que vous pouvez recharger la crème de jour ainsi que la crème de nuit, si je ne dis pas de bêtises. Mais en tout cas la crème de jour, ça c'est sûr. Rihanna a formulé ses produits par rapport à son mode de vie, elle le dit elle-même, parce qu'elle a un mode de vie ben on va dire speed, donc il fallait que ça soit des produits efficaces et des produits rapides d'utilisation, et avec vraiment la pépite des ingrédients pour la peau. Voilà, donc il y a de l'acide hyaluronique à ce que j'ai compris déjà, donc ça c'est très bien et j'utilise tout le temps. Moi j'utilise le sérum à l'acide hyaluronique de chez The Ordinary avant mes crèmes, mais voilà, j'utilise de l'acide hyaluronique tout le temps, tous les jours, donc c'est cool qu'elle en met dans ses crèmes. Donc je vais commencer par déballer cela. Et donc on va commencer du coup par le Total Cleanse Air, qui est le nettoyant visage. Donc c'est un nettoyant apparemment en profondeur. Il dit que vous pouvez l'utiliser matin et soir pour retirer le maquillage et les impuretés, qu'il faut humidifier la peau, le faire mousser et rincer pour usage externe uniquement. Bon, ça on s'en doutait un petit peu. Donc comme je vous ai dit, moi j'ai le petit format, donc c'est 45 ml pour le format découverte. Le gros il a 145 ml et il coûte 23€. Donc écoutez, ça fait quand même c'est quand même on va dire correct, même si je trouve pour un nettoyant visage c'est cher. Voilà, pour moi les nettoyants visage, j'aime pas admettre 20 balles dans un nettoyant visage. Maintenant à voir s'il est extraordinaire ou non, mais c'est vrai que j'aime pas. Moi j'utilise vraiment des nettoyants visage qui coûtent pas très cher et ça me va. Elle dit que tu peux nettoyer ton visage avec et aussi te démaquiller. Personnellement je n'aime pas me démaquiller avec des nettoyants visage. Ce que j'aime faire moi c'est me démaquiller avec de l'huile et ensuite je me nettoie le visage avec un produit comme ça. Je trouve que c'est beaucoup mieux, je me vois mal me démaquiller même avec des maquillages waterproof comme elle dit, avec ça.
même si c'est peut-être pratique, voilà, je me vois très mal utiliser ça. C'est une formule bien-être onctueuse qui se transforme en mousse décadente et qui ne décape et n'assèche pas la peau. Elle purifie des pores et combat la brillance tout au long de la journée. Conçue à partir d'actifs nettoyants riches en antioxydants, pardon, j'avais pas parlé, comme la cerise de la Barbade et la noix de coco, libère un parfum de cerise et de noix de coco. Donc ça, c'est super, ça donne envie, quoi. Voilà, c'est bon, ça donne envie. Donc ce sont des produits non gras et non comédogènes qui n'obstruent pas les pores pour tous les types de peau. Donc voilà, donc déjà, ce qui est cool, c'est que c'est pour tous les types de peau. Vous n'allez pas vous embêter à chercher votre type de peau parmi les produits ou vous dire je peux pas tester, etc. C'est pour tout le monde. Donc après, pour la liste d'ingrédients, je ne vais pas vous la faire car je ne suis pas franchement experte dans la composition des ingrédients. Je vous laisse tout simplement aller voir des gens un peu plus, on va dire, intéressés là-dessus, sur ce sujet, qui pourra un peu plus vous aiguiller. En tout cas, sur le site de Sephora, il est très 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 bien noté. Il est noté 4,8. Donc je vais aller tester ça de suite. Je vais aller m'humidifier le visage et le mettre devant vous. Donc je me suis humidifié le visage, j'ai mis le petit bandeau là. Donc du coup, je vais tester ça. Donc apparemment, c'est à la noix de coco et à la cerise de la Barbade. J'ai envie de savoir si ça sent bon ou pas. Ah d'accord, ok. Vous tournez. Hop, et vous faites libérer le produit. C'est joli, c'est un petit peu une couleur un peu rosée. Ça sent rien limite. Franchement, je vois pas. Il n'y a pas d'odeur quoi. Déjà, c'est très onctueux comme texture. C'est vraiment une texture très onctueuse. Ça, j'aime bien. Après, peut-être que ça mouche. Ça mouche. Peut-être qu'après, ça mousse pas assez bien parce que je suis pas vraiment sous l'eau, etc. Et c'est tout doux, ça me brûle pas la peau. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller rincer à la salle de bain et je vous retrouve tout de suite. Donc ça y est, je viens de rincer le nettoyant visage et franchement, il laisse la peau très 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 douce. Il m'a pas du tout desséché. J'ai pas la peau qui tiraille ou quoi que ce soit. Franchement, il est vraiment pas mal. Je trouve que la mousse est vraiment onctueuse, donc ça c'est bien. Et que ça fait son taf quoi, ça te nettoie bien la peau et ça te la dessèche pas, c'est ce que je recherche. Donc maintenant, on va passer à l'étape suivante, donc qui est le Fat Water. Donc si je comprends bien, c'est un mix entre un tonique et un sérum. C'est original, voilà, comme concept. Il me tarde bien d'utiliser celui-là aussi. Donc c'est un sérum tonifiant qui resserre les pores. On va voir ce qu'ils en disent sur le site. Ce produit révolutionnaire et universel resserre les pores et estompe les taches brunes. Il a une texture épaisse unique que vous n'avez sans doute jamais testé auparavant. C'est apparemment l'étape favorite de la routine de Rihanna. La peau s'embellit, le teint s'illumine et plus encore, les pores paraissent plus fins et l'épiderme gagne en netteté. Les taches brunes s'estompent tandis que le teint et la texture cutanée s'uniforment avec le temps. Régule instantanément l'excès de sébum et prévient les brillances tout au long de la journée. Sa texture épaisse unique s'absorbe instantanément, donc ça c'est bien. Il suffit de le déposer dans le creux de la main pour l'appliquer. Donc en gros, vous n'avez pas besoin de coton, etc. Vous le mettez dans votre main et vous tapotez votre visage. Il possède également tous les avantages d'un sérum. La formule hydrate, lisse et répulpe et régénère la peau sans jamais la décaper, la sécher ni la faire tirailler. Donc l'odeur, c'est de la cerise et figue gorgée de soleil. Il te précise que les toniques contribuent à resserrer les pores et à réguler l'excès de sébum, tandis que les sérums offrent de puissants ingrédients qui ciblent les problèmes de peau comme les taches brunes. Ok, donc quand vous utilisez ce produit, vous n'avez pas besoin d'utiliser un toner et vous n'avez pas besoin non plus d'utiliser un sérum. Donc mon sérum à l'acide hyaluronique, il restera au placard pour l'instant. Donc en gros, c'est vraiment un produit 2 en 1 et qui est pratique, voilà, tout simplement. Donc c'est ce que veut la marque, tout simplement aussi. Ils disent que c'est non gras et sans alcool, non comédogène, etc. aussi. Et pour tous les types de peau. Là, c'est un format de 50 ml, mais le vrai format est de 150 et il coûte 25 €. Voilà, c'est quand même un prix, en sachant que ça, si vous en mettez pas beaucoup, quand même, ça vous dure longtemps. Voilà, donc ici, il est bien, pourquoi pas. Ah oui, aussi, je vous ai pas parlé des avis. Les avis clients sur Sephora, il est noté de 4,7. Donc que les gens ont l'air de l'apprécier. Je vais en mettre un petit peu dans ma main. Quelques gouttes. Ok, donc c'est assez quand même épais. J'en ai mis 4 gouttes, 5 gouttes à peu près. Ça sent bon, mais c'est pas une odeur super forte. C'est frais, ça fait du bien en tout cas. Donc j'en mets partout, hein. C'est un sérum toner, donc vous pouvez en mettre vraiment sur tout votre visage. Donc est-ce que j'ai la peau éclatante? Est-ce que j'ai la peau qui s'illumine? Est-ce que j'ai les pores resserrés? J'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression, mais bon. Je trouve quand même que ça hydrate pas beaucoup la peau. Comparé, je trouve, à mon acide hyaluronique. On va dire que c'est pas non plus le produit qui va t'hydrater un max la peau. T'as la crème aussi après. Mais quand même, quoi. Moi, ouais, ça, je dirais que ça manque d'hydratation. Ou soit j'en ai peut-être pas mis assez. Et là, on va voir. J'en ai rajouté. Après, niveau sensation, là j'ai la peau qui tiraille un petit peu moins comparé à tout à l'heure. J'en ai peut-être pas mis assez au final. Est-ce que ça resserre les pores? Écoutez, ça, je pense que c'est quelque chose qu'on voit au fur et à mesure de l'utilisation. C'est pas quelque chose qu'on va voir de suite. Illuminer la peau, ouais, peut-être, mais si ça hydrate un petit peu, donc forcément la peau va être un petit peu moins du coup sèche et un petit peu plus lumineuse. Ça, c'est un produit, je pense que je vais retester, etc. J'arrive pas à me faire mon avis encore sur le produit.
produit, voir s'il est extraordinaire ou pas, si j'aime bien ou pas. S'il y a des personnes qui ont testé la marque de Rihanna et surtout le Fat Water, dites-moi en commentaire si vous avez apprécié ou pas, ce que vous en avez pensé. Et il s'utilise aussi matin et soir sur une peau propre. Voilà. Maintenant, on va passer au produit que j'ai vraiment le plus envie de tester. Bah, c'est la... Oh non, mais c'est le mauvais produit que j'allais vous présenter. C'est l'Hydravisor, donc la crème hydratante. J'adore les crèmes hydratantes, j'aime beaucoup tester ce produit-là. Donc, c'est un petit format, moi. Donc, c'est un 50 ml, je suppose, même pas. C'est un 30 ml. Le vrai format est 50 ml et il coûte 34 €. Donc là, par contre, je trouve que c'est assez cher. Vraiment, je trouve que c'est assez cher. 34 € dans un 50 ml en crème. Ça fait mal au cul, franchement, faut le dire. Voilà, donc ça, même si j'aime bien, est-ce que je le rachèterai? Je sais pas. Hein. On va d'abord tester, on verra ce que ça donne. C'est une formule aérienne hydratante combinée avec une protection solaire à indice SPF 30. Voilà, c'est vrai que c'est pas mal pour utiliser l'été ou tous les jours. Qui hydrate toute la journée. Crème de couleur rose qui se fond subtilement sur toutes les carnations, donc zéro effet crayeux. Donc ça veut dire en gros que même pour les peaux noires, vous pouvez l'utiliser, vous n'allez pas avoir l'effet blanchâtre. Ça colle parfaitement avec le make-up, il s'absorbe instantanément pour lisser et adoucir la peau sans laisser de film gras. Et en plus de ça, il ne bouloche pas, il ne forme pas de grumeaux. Ah ça c'est parfait ça, parce que c'est vrai qu'il y a des crèmes ou même des sérums qui des fois, quand tu passes ton maquillage ou même un autre truc par-dessus, un autre produit de soin visage, ça fait des grumeaux, c'est insupportable. Stimule l'épiderme et illumine le teint tout en resserrant les pores et estompant ris des ridules. Réduit l'apparence des taches brunes, la texture veloutée et le parfum frais de melon du désert vous donneront envie d'en appliquer tous les jours. Les avis sur cette crème, je vais vous dire ça de suite. 4,6. Bah écoutez, je vais tester ça et on va voir si j'ai la peau radieuse. Ok, donc là c'est un petit flacon pompe. Ah, je l'ai un petit peu ouvert. Ok, bon, tu viens ou pas? Bon, il veut pas venir apparemment. Oh là là, qu'est-ce que j'aime pas ce délire. Ah, ça y est, ça arrive. Ah, bah enfin. Donc c'est une couleur un peu rosée. C'est très neutre comme odeur aussi, ça sent bon, mais c'est très léger. Et ça a l'air très fluide aussi. Bon, on va tester ça. Ah, ça sent bon quand t'étales. Ça sent, c'est acide comme odeur, c'est assez acide. Ah ouais, c'est pas mal, ça s'applique super bien. Et c'est vrai que t'as pas d'effet blanchâtre. D'ailleurs, j'ai enlevé ça parce que ça me saoule aussi. Elle a l'air de vraiment bien hydrater. Hein. Et aussi, j'ai oublié de vous préciser qu'il n'y a pas de produits controversés pour les coraux. Vous savez, les produits qui, dans les produits solaires qui abîment les coraux, qui détruisent les coraux, il n'y en a pas dans ces produits-là. J'avais oublié de préciser alors que c'est super important. Ouais, mais franchement, ça a l'air pas mal hein, cette crème. Franchement, la première impression, elle est bonne hein, sur la crème hydratante. Hein, vraiment. Je trouve qu'elle hydrate bien la peau. Elle fait pas grasse. Elle sent bon. C'est un peu particulier comme odeur, mais ça sent plutôt bon. Après, bah, c'est cher quoi. C'est le défaut que je dirais à cette crème-là pour le coup, c'est que c'est super cher. 34 €, c'est ça? C'est trop cher. Hein. Moi, je ne mettrais pas 34 € dans une crème. Et elle bouloche pas du tout, c'est vrai. À voir avec le make-up, mais bon, je pense pas qu'elle va boucher parce qu'elle s'absorbe assez vite et elle fait vraiment un toucher soyeux sur la peau. Après, ben pour tout ce qu'ils disent resserrage de pores, etc. Bon, ça je sais pas. Par contre, ils ont dit qu'il y avait un truc qui était instantané. C'est quoi? Stimule l'épiderme et illumine le teint tout en resserrant les pores et estompant rides et ridules instantanément. Donc moi, j'ai pas vraiment des ridules, donc des rides. Donc je peux pas vous dire si ça marche. Mais resserrer les pores, pff, franchement, je sais pas. Après, j'ai pas des pores si visibles que ça. Les taches bonnes, etc. Non plus. Ça, de toute façon, c'est que des choses qu'on pourra tester dans le temps. Et sur un crash test, on peut pas voir ce genre de choses là. Mais ce que je peux vous dire, c'est que niveau sensorialité, elle est bien, voilà, elle est bien et qu'elle hydrate bien la peau. Franchement, j'aime beaucoup pour ça, elle hydrate bien. Et je pense que pour l'été, ça peut être une bonne crème. L'été, printemps, été, on va dire. Pas pour s'exposer à la plage, bien évidemment. Je parle quand tu sors dans la vie de tous les jours, quand tu vas faire tes courses ou quoi. Si tu veux éviter les rayons du soleil, etc., nocifs, ouais, ça peut être cool. Après, pas pour la plage, attention, parce que c'est que du 30 SPF. Vaut mieux mettre du 50. Hein. Donc, pour conclure avec la vidéo, moi, je vous recommanderais de surtout tester la crème hydratante parce qu'elle est vraiment pas mal. J'ai bien aimé. Et le produit nettoyant. Qui aussi était bien, qui n'a pas séché ma peau, qui était tout doux, hein, qui faisait bonne texture onctueuse et tout, j'ai vraiment aimé. Et puis bon, comme je vous disais, la crème hydratante, je l'ai aussi beaucoup aimée car je trouve que la texture est fluide, elle hydrate vraiment bien la peau. Franchement, je n'ai pas la peau du tout qui t'éraille. Après, est-ce que c'est l'ensemble des 3 produits qui fait ça? Je sais pas, mais niveau sensorialité, la crème elle est vraiment bien. Pour ce qui est du fat water, est-ce qu'il resserre les pores, etc., moi j'ai pas beaucoup de gros pores, on va dire, mais donc du coup, je sais pas trop. Mais après, ouais, ça a hydraté un peu, mais c'est pas super hydratant, je trouve. Moi, j'aime bien les sérums qui hydratent beaucoup plus, voilà. Après, ça peut être sympa, peut-être, à utiliser de temps en temps et tout. Donc ça, ouais, je suis pas encore super convaincue par ce produit. Mais je vais continuer à tester et je ferai peut-être un retour sur le produit, etc. Sur Instagram ou quoi, ouais, j'en parlerai peut-être là pour dire si j'aime ou pas. Ça, je vais continuer à utiliser, mais je pense pas que je rachèterai parce que le prix, franchement, c'est hors de prix. Je trouve que c'est beaucoup trop cher. Ça, c'est pareil, je crois que c'était 25 € le nettoyage. C'est un peu cher. Après, un nettoyant, si tu l'aimes beaucoup et qu'il est vraiment bien pour ta peau, 25 €, c'est cher, mais en principe, un nettoyant, vu que c'est du 150 ml, le gros format,
t'en mets un petit peu une noix et ça te dure longtemps en principe aussi un nettoyant. Donc bon, tu te dis 25€, mais ça dure longtemps, ça va pas te finir en un mois ou deux même. Donc ouais, ok. Par contre, la crème hydratante, c'est quelque chose que moi j'utilise et que je mets des fois des doses. Donc ça, par contre, c'est trop cher. Ça, c'est un truc que je rachèterai pas, c'est sûr. Donc voilà, on a fini avec cette vidéo. Ben, j'espère que ça vous aura plu, que le crash test comme ça, ça vous plaît aussi. Moi, j'adore faire des crash tests et tester la marque de Fenty Skin de Rihanna. Ça m'a beaucoup plu aussi. J'aime beaucoup Rihanna. Si vous les avez testés, dites-le-moi dans les commentaires. Dites-moi si vous avez aimé ou pas, si vous avez envie de tester, si ça vous a donné envie de tester ou non aussi. N'oubliez pas aussi de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, et aussi à mes réseaux sociaux. Voilà, au passage, hein, voilà. Et de liker, ça fait plaisir, etc. Moi, sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.